Du désir. Le désir, c'est quoi le désir? Le désir, c'est quelque chose d'extraordinaire puisque on est fait de désir. On est un paquet de désirs, chacun d'entre nous. On a envie de choses, on a envie d'être heureux, on a envie plein de choses pour parfaire, si on peut dire, l'existence qu'il y a devant nous. Et ce désir-là, il est extraordinaire parce que si on le comprend, eh ben, on pourra peut-être vivre dans cette vie-là avec un peu plus de moins de problèmes. Parce que ce désir-là, on est tellement acharné à avoir ce qu'on n'a pas qu'il pose un grand problème pour nous en tant qu'être humain. Parce que cette vie, elle est faite de choses qu'on a besoin pour être bien. Et à travers toutes les choses qui existent dans le monde, c'est ce qu'on veut. On veut être bien. Et donc, on croit que, en allant les chercher là-bas, de l'autre côté de soi, c'est-à-dire en dehors de sa peau, on va trouver quelque chose qui va nous donner un espèce de sublime qu'on n'a pas dans le quotidien monotone qu'on vit. Et on voudrait sortir de ce quotidien-là pour prendre avec soi cette joie qu'on pourrait trouver dans le désir. Mais à chaque fois qu'on a poursuivi ce désir-là, on arrive de l'autre côté, on arrive devant le désir, on le voit, on le prend, mais on est déçu. 99,99% de tous les cas, on est déçu de notre propre envie. Parce qu'il ne nous satisfait pas. Il nous donne un vide au creux du ventre. On a besoin de quelque chose qui nous égaye. Mais il ne va pas nous égayer. Il va nous donner de la satisfaction immédiate. On va être dans l'euphorie pendant quelque temps. Et vous voyez, donc en poursuivant ce désir-là, on poursuit aussi le temps. Parce qu'on a des attentes. Sur la route du temps, on a des attentes. Qu'est-ce qui est l'attente? Dans cette attente-là, il y a la frustration aussi. Toute la frustration qu'on peut avoir pour arriver à avoir ce désir-là. Voyez? Et donc, le temps est important de savoir que ce désir crée du temps. Et si on a créé le temps, on a créé aussi toute la frustration qui va avec. Et quand on crée toute cette frustration avec ce temps-là, il faut savoir que il y a une autre chose qui vient avec ça. Donc ça marche ensemble. La peur. La peur de ne pas avoir, la peur de manquer. Et tout ça nous envahit et nous laisse dans un monde où on combat tout le temps pour être mieux. Et ce combat, il est tout le temps, perpétuel, dans un cercle vicieux. On est toujours en train de chercher quelque chose pour être heureux. Cette chose nous déçoit. Il y a de l'attente et tout ça, on court, on poursuit. Et on arrive devant cette chose où on est toujours déçu. Alors, il faut bien comprendre ça. Parce que ce désir-là, justement, il nous donne une espèce d'envie de vouloir sortir de notre problématique. Parce que l'homme, il est conditionné à toujours poursuivre ce désir-là. Et c'est un grand problème parce que on ne veut que ça, on ne veut faire que ça. Et le problème, c'est que si on ne veut faire que ça, eh ben, on se ferme les yeux à quelque chose qui pourrait peut-être être une solution. Et cette solution,
elle est d'aller voir exactement qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on a besoin, pourquoi on est tellement acharné à avoir cette chose-là, ce plaisir, qui justement, le revers de la médaille de ce plaisir, c'est la peur de ne pas l'avoir. Et on poursuit tout le temps. Donc, moi je dirais qu'il faut aller voir tout ce mouvement en soi. C'est la pensée qui est en nous. Pourquoi nous avons ce désir? Pourquoi nous voulons aller dans cette direction-là? Et qu'est-ce qui nous fait tant désirer? Est-ce que il n'y a pas une peur en nous qui nous absorbe et qui... Parce que cette peur, en fait, c'est de ne pas exister dans ce qu'on recherche. On veut le plaisir, et si on n'a pas ce plaisir-là, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on est vide. On est, je dirais, molle. On n'a aucune envie de... Il y a de la monotonie. Il y a un silence total. Et on n'aime pas ça. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On cherche cette distraction. Et donc, c'est pour ça, ce désir-là, il doit être bien compris, parce que c'est une recherche de distraction pour ne pas être face à soi. Parce que quand on est face à soi, eh ben, il y a quelque chose de bizarre qu'on n'a pas l'habitude. Parce qu'on est conditionné de ne pas être face à soi. On a plutôt été éduqué à regarder à l'extérieur de soi qu'est-ce qui se passe. Et qu'est-ce qu'on pourrait gagner avec ce qui se passe à l'extérieur de soi. Voilà, on était dans Zone Libre et on a parlé du désir. Donc, à bientôt.